Du plus loin que je me souviens, j'ai toujours lu. J'adore lire et j'ai lu beaucoup de livres de psychologie, de psychiatrie, de développement personnel. Et c'est ce qui m'a aidé là, dans mon propre développement personnel. Ça m'a aidé à comprendre ce que je vivais, pourquoi je le vivais. Et ça m'a aidé aussi à trouver des outils là, pour m'en sortir, pour en arriver où je suis rendue là. Encore aujourd'hui, je lis encore régulièrement parce que c'est pas parce que je suis coach, que je suis éducatrice spécialisée que j'ai atteint là, mon plein potentiel, mon plein bien-être intérieur. Au contraire, je pense que ça, c'est le travail d'une vie. Donc, c'est important, même si on a des acquis, même si on a fait un bout de chemin, c'est important de continuer parce que le développement personnel, comme je le disais, c'est vraiment le travail d'une vie. On ne peut pas tout régler dans une seule fois. C'est important de travailler là, régulièrement sur nous. Donc, j'ai pensé que de te présenter là, les ouvrages qui m'ont aidé, moi, dans mon propre développement personnel. Je me suis dit que si moi, ça m'avait aidé, ben peut-être que ça va t'aider toi aussi. Donc, je te présente une quinzaine d'ouvrages les plus marquants. Là. Je présenterai pas tous les livres que j'ai lus, mais les plus marquants là, dans ma vie, là. Donc, je commence par celui-là, qui est mon livre. Je pouvais pas ne pas te présenter mon propre livre que j'ai écrit, qui est une grande fierté pour moi, parce que j'ai souvent eu ce rêve-là d'écrire un livre, et là, j'ai réussi à le faire, à le concrétiser. Ce livre-là, c'est 10 clés pour être heureux, qui a été édité aux éditions du CRAM. En fait, c'est tout ce que moi-même, j'ai développé là, pour en arriver où je suis aujourd'hui. Parce que moi, avant, j'avais pas le bonheur facile. J'avais tendance à voir les choses, tu sais, le point noir sur la feuille blanche, de me décourager facilement. Et j'ai développé là, des compétences et j'ai tout mis ça là, dans mon livre, là, les 10 clés pour apprendre là, à être heureux, pour apprendre à être mieux avec soi-même. Le deuxième livre que j'ai adoré, que j'ai découvert dans le cadre d'un cours, un auteur en fait, que j'ai découvert dans le cadre d'un cours, c'est Être bien là, dans sa peau là, du docteur David Burns, qui est vraiment là, fantastique au niveau là, de. Ben, en fait, il est directement relié avec l'approche cognitivo-comportementale. Donc, ça, il est spécialisé vraiment là, dans le traitement de la dépression. Donc, ce que tu vas retrouver dans ce livre-là, entre autres, toutes les erreurs de pensée dont je parle là, dans une vidéo, il y a plein d'outils en plus dans ce livre-là pour vraiment là, se défaire de la dépression. Donc, c'est un ouvrage vraiment hyper intéressant. Or, un des premiers livres que j'ai lu, en fait, dans le développement, je n'avais lu d'autres, mais un, là, que j'ai lu, là, qui m'a vraiment interpellée, là, c'est. J'adore John Bradshaw, soit dit en passant, j'ai tous ses ouvrages. Mais Retrouver l'enfant en soi. Retrouver l'enfant en soi, c'est un cadeau qui m'avait été offert. Et j'ai vraiment adoré parce que là, on va vraiment travailler. Il va vraiment travailler, là, au niveau de son enfant intérieur, de ses blessures intérieures. Donc, je le recommande fortement. Et John Bradshaw a vraiment écrit aussi d'autres ouvrages, entre autres Les secrets de famille, entre autres S'affranchir de la honte. Vraiment intéressant. Si tu as l'occasion de pouvoir lire ce livre-là, là, je te le recommande fortement. J'en ai deux à te présenter de Spencer Johnson. En fait, c'est Qui a piqué mon fromage? Ce livre-là parle d'adaptation. Dans le fond, c'est grosso modo, si tu veux apprendre à mieux t'adapter aux situations de la vie, de ce qui t'arrive, au lieu de les subir, de juste être plus créatif et d'en faire quelque chose de plus positif, de plus constructif. C'est un livre que je te recommande. Il est vraiment pas épais. Il est vraiment écrit gros en plus, fait qu'il est vraiment pas compliqué à lire. Il est vraiment super simple. C'est un. Peut-être que tu le connais déjà. Peut-être que tu l'as déjà lu parce que c'est un livre hyper populaire. Je te le recommande. Qui a piqué mon fromage? Le deuxième, c'est moi. Il m'a beaucoup aidé là quand j'ai acheté mon condo.
C'est l'art, oui ou non, là, l'art, le guide là, pour prendre là, de bonnes décisions. En fait, quand j'ai acheté mon condo, j'étais un petit peu, j'avais peur. Hein? J'avais peur de ne pas faire le bon choix, j'avais peur de ne pas arriver parce que j'achetais une propriété, ma première propriété seule. Et ce livre-là m'a beaucoup aidé à prendre la bonne décision. Entre autres, la question qui m'a marquée et que je transmets beaucoup, que je te transmets à travers mon programme, c'est si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Hein? C'est à travers ce livre-là que j'ai appris à prendre de meilleures décisions, de ne pas laisser la peur prendre la place, d'y aller vraiment en fonction de comment je le sens à l'intérieur de moi. Dernièrement, j'ai découvert Ho'oponopono. En fait, j'ai deux ouvrages Ho'oponopono à te suggérer. Le premier que j'ai lu, c'est celui-là, ce qui est du docteur Luc Bonin. Luc Bonin, j'adore, je l'adore. Comme, ben, je l'adore. Il est vraiment tout illustré. Il y a des super belles images à l'intérieur et moi, j'adore ça. Lire un livre avec plein de belles images, juste la couverture, c'est ce qui m'a attirée. Et j'ai découvert Ho'oponopono. J'ai déjà une vidéo qui explique l'approche Ho'oponopono, là, qui est une philosophie hawaïenne. Et un exercice vraiment incroyable. Il y a un exercice, soit dit en passant, dans le programme, un exercice de Ho'oponopono pour apprendre à te défaire, dans le fond, de tes programmes erronés pour apprendre à t'aimer. L'autre, qui est en lien aussi avec Ho'oponopono, de Laurent Debaker, qui lui a, quand tu achètes le livre, il y a aussi là, une série de 10. De 10 exercices audio pour te défaire de des programmes erronés. Il y a un exercice de relaxation, entre autres, et mettons, il y en a un qui est en lien avec l'amour de soi, il y en a un autre en lien avec tout l'argent, en lien avec l'amour des autres, les relations affectives, etc. Il y a plusieurs exercices et j'adore ça. Je fais régulièrement Ho'oponopono et crois-moi, ça fonctionne et j'adore ça. Ça a un effet vraiment bénéfique là, dans notre vie en général, notre bien-être intérieur. Un autre que j'adore, c'est Jacques Salomé, même si, à mon avis, je trouve quand même, il vulgarise, oui, mais des fois, c'est un peu compliqué. On dit, c'est un peu un poète. Moi, je le compare un peu à un poète. Donc, des fois, la lecture peut être un petit peu plus ardue, mais c'est un maître au niveau de la communication, au niveau des relations avec les gens. Et celui-là, je l'ai adoré parce qu'il explique pourquoi c'est si difficile d'être heureux dans la vie. Je te recommande encore une fois Jacques Salomé. J'ai beaucoup d'ouvrages de lui. Lui, c'est vraiment nouveau, là, des relations avec les autres. Ça, c'est une sommité dans ce domaine-là. Maintenant, je te présente Colette Portelance. Colette Portelance, qui est fondatrice de l'école. D'ailleurs, mon livre, Les éditions du CRAM, elle, dans le fond, elle a fondé l'école, le centre de recherche. En relation d'aide de Montréal. Et elle donne la formation en relation d'aide. Et elle donne aussi, elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle, sa force, c'est au niveau vraiment de la communication. Il y a plusieurs ouvrages, j'en ai plusieurs. Là, je te présente celui-là, qui est La communication authentique, dont je parle régulièrement là, dans mon programme. Elle est une sommité au niveau de la communication avec les autres. Elle donne au niveau de la relation d'aide, au niveau sa spécialité, c'est vraiment la communication là, authentique. Donc, je te recommande, entre autres, celui-là, mais elle a plein d'autres ouvrages, dont un sur le lâcher prise. Les 7 étapes du lâcher prise, si je ne me trompe pas. Sûrement que tu connais déjà Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est un conférencier là, mondial, à l'échelle mondiale. Et il a écrit Le pouvoir illimité, entre autres, et celui-là. Moi, j'ai préféré. Quand j'ai lu Pouvoir illimité, qui m'a encore une fois été offert par une amie,
Ça m'a littéralement craqué. Quand tu files pas, puis que tu es vraiment découragé, tu es vraiment down, là, je te recommande le pouvoir illimité et lui, entre autres. Moi, je préfère celui-là parce qu'il a écrit Retrouver votre puissance, l'éveil de votre puissance intérieure après avoir écrit Pouvoir illimité. Et celui-là, il tient compte un peu plus des émotions. Et c'est ce que j'ai apprécié le plus dans cet ouvrage-là comparativement à Pouvoir illimité. Mais si tu veux te recrinquer, te remonter, je te suggère fortement de lire ces ouvrages-là. Je peux pas t'expliquer concrètement l'effet que ça a eu sur moi, mais j'étais, pour ainsi dire, le boosté à mort après. Je suis partie là, j'étais vraiment découragée, down, vraiment démoralisée. Et après avoir lu là, ces ouvrages-là, je me sentais là, comme j'avais plus de limites. The sky's the limit. Évidemment, l'effet ne dure pas, mais je me disais, le temps que ça dure, ben, je vais le prendre parce qu'après ça, ben, on gérera l'autre crise après. Mais c'est vraiment. Puis il reste que, oui, ça ne dure pas, mais il y a des acquis qui finissent par se cristalliser et qui finissent aussi là, par perdurer là, dans le temps. Donc, c'est un ouvrage que je te recommande, fortement. Anthony Robbins, il est excellent. Je l'adore. Un autre livre qui m'a aidé au niveau de la gestion de mes émotions, c'est Les émotions tout simplement, qui est de Jacques Regard. Jacques Regard a écrit ce livre-là. Je connais moins un peu cet auteur, je le connais juste à travers cet ouvrage-là. Mais cet ouvrage-là, moi, m'a aidé beaucoup là, à comprendre les émotions et comment mieux les gérer. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup vulgarisé. Donc, c'est simple à comprendre. C'est facile. Il est facile à lire. La prochaine auteure que j'ai à te présenter, c'est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, elle a écrit, entre autres, Écoute ton corps. Elle a fondé aussi une école de formation professionnelle en relation d'aide, en lien avec son approche, qui est les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Moi, j'ai adoré celui-là. J'adore ce livre-là, plutôt. Ton corps te dit « Aime-toi ». En fait, Lise Bourbeau fait beaucoup de liens. Sûrement que tu la connais déjà, peut-être que tu as déjà lu ses ouvrages. Lise Bourbeau fait beaucoup de liens entre les mots physiques et les mots émotionnels et les blessures émotionnelles. Donc, c'est super intéressant parce que quand on a des mots physiques, on peut aller se repérer, se référer à son livre pour faire des liens. OK, là, j'ai ça à travailler. C'est plus facile, des fois, prendre conscience de nos blessures, prendre conscience de nos croyances limitantes. C'est pas toujours évident. Mais quand on a quelque chose de concret, fait que là, on a des mots physiques, puis même les maladies, hein. Toutes les maladies sont reliées là, à des blessures, à des conflits non résolus, à des traumatismes de l'enfance. Donc, elle, dans son livre, elle permet là, de faire les liens entre les mots physiques et les mots émotionnels. Et évidemment, bien, son livre qui est sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que évidemment, là, mon module sur les blessures de l'âme a été basé, là, inspiré beaucoup, beaucoup là, par son modèle, les 5 blessures. Finalement, le dernier auteur que je veux te présenter, c'est celui qui m'a, comment dire, qui a été une révélation pour moi. C'est Lucien Auger. Lucien Auger, quand tu écoutes les vidéos, que tu lis mes articles, je me réfère beaucoup, beaucoup à lui. En fait, Albert Ellis a créé l'approche émotivo-rationnelle, c'est un Américain, et Lucien Auger, lui, l'a amené ici au Québec. Évidemment, il est décédé aujourd'hui, mais il a fondé là, une école de l'approche émotivo-rationnelle qu'on appelle, qui est vraiment là, au niveau tous mes modules, tous mes ateliers, tous mes exercices sont conçus, sont la base, c'est Lucien Auger au niveau des croyances limitantes. Donc, Lucien Auger, s'aider soi-même, la psychothérapie par la raison. Et l'autre que je voulais te présenter, le dernier, c'est prendre soin de soi. C'est vraiment d'apprendre à se libérer de ses
lui, il parle d'idées irréalistes, d'idées déraisonnables. Idées réalistes, idées déraisonnables, des croyances limitantes, des fausses croyances, ça revient tout à la même chose. C'est des idées qu'on a qui représentent pas la réalité. Et là, je te présente ces deux-là de Lucien Auger, là, mais il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de cahiers d'exercices et c'est vraiment quand Estelle Borgia m'a fait découvrir Lucien Auger, que là, ça a été une révélation pour moi, parce qu'enfin, c'est beau comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi on vit tout ce qu'on vit, sauf que là, après ça, je fais quoi avec ça? Ben, c'est Lucien Auger, c'est grâce à Lucien Auger, si j'ai découvert vraiment un outil concret là, pour se débarrasser là, de ses croyances limitantes. Donc, j'espère de tout cœur que les suggestions de lecture que je viens de te faire, un, que tu vas prendre la peine d'aller en lire au moins un sur les 15 que je viens de te présenter et que ça va t'aider autant là, que moi, là, ça m'a aidé là, dans mon propre développement personnel.